empêcher de bien reprendre cette tête. Le centre de Mungalompa, la tête et le but de Saint-Éloi Loupopo qui arrive. Et oui, c'est lui le meilleur buteur de la formation jusqu'à là, Ikoyo Iyembe. Et il s'excuse parce qu'il s'est un ancien de la Renaissance du Congo également. Exactement, forcément, il n'y a pas énormément de célébrations à faire à Ikoyo Iyembe. Je pense que c'est Christian Kalala qui ne réussit pas bien dévier ce ballon. Et derrière, à l'arrivée, cette tête de quel centre les Mungalompa là, qui moi je pense à mon avis. Hein. Mungalompa là, dans le parage, Mungo, avec Manu Bola, Bola le Bota. Bola qui va frapper. Oh là, magnifique ce but de Manu Bola. Incroyable ce but, un but d'anthologie inscrit par Manu Bola. Lui qui a évolué au sein de la Renaissance la saison passée et s'excuse également comme avait fait Ikoyo Iyembe. Mais quelle intelligence de Manu Bola Lobota qui a bien levé la tête. Manu Bola Lobota qui profite de cette petite fenêtre qui s'offrait à lui de frapper. Et derrière ce crochet pour se mettre en situation de but. Et ce ballon bien enveloppé qui va aller trouver ce coin du poteau. Ah, quel ballon magnifiquement bien enveloppé. Arvio c'était. Dimitri Bisiki, il est vraiment un au foot. Dimitri, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il accélère le centre de Bisiki, il est dans la surface. La passe en retrait, le calé est bien servi. Quel caviar et la conclusion. Il n'a pas forcé le calé, le troisième but de cette Loupopo. Renaissance est par terre. Et surtout, toute la collectivité de cette équipe du Saint-Éloi Loupopo qui permet ce tacle. Et surtout ce ballon qui l'échappe. Et derrière, tout de suite, Bisiki va centrer pour le caler. Bien placé, Jean-Marc Makoussou qui venait couper le ballon, la trajectoire du ballon au premier poteau. Mais derrière, Bisiki a choisi de servir le caler qui. La passe pour Foua Samuel. Foua Samuel dans la surface. Le ballon de Foura. La réduction du score. Mourou Youssouf n'a pas pu bien empêcher cette balle. Un pour la Renaissance, 3 pour l'équipe de Saint-Éloi Loupopo. Quand même, c'est laxisme de la part de la défense de Saint-Éloi Loupopo qui a un tout petit peu baissé les bras. Et derrière, c'est cette frappe qui ressemblait à un centre, mais.